Après les déclarations intempestives de Michel Rocard à l'encontre de feu François Mitterrand, l'ex-premier ministre fait le point. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Le ministre des Transports et ses subalternes. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Je préfère manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. Tant pis s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire. Dans Politiquement Rock, un point sur les relations de travail entre Bernard et Martine. Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu te demandes comment draguer cet été, pour te conseiller, je suis ok. Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Oulala ! Trois postulants pour un seul gagnant. La tension est à son comble. Voici tout de suite le top 3 Politiquement Rock. À la troisième place, un trio magique, Philippe, Charles et Pierre, dans une chanson à texte. Une entrée, techno et décibel à gogo, Catherine Trottmann fait son show. Je regarde le disc jockey. En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc jockey. Regarde le disc-jockey. Politique Maroc baisse le rideau pour cette semaine. Nos personnalités préférées reviendront dans pile 7 jours moins 7 minutes pour vous fredonner de nouvelles mélodies. En attendant, je vous souhaite un bon week-end sur M6. Salut. Et je termine. Oui.